Salut la famille, c'est Moula et je vais répondre à ces quelques questions. Alors, ma gamme, bon, j'ai eu la chance d'avoir un don avec lequel je suis née. C'est devenu ma gamme juste quand j'ai décidé d'en faire un métier, en devenant artiste, en voulant devenir artiste professionnel. Ma première chanson, elle s'appelle Reviens-moi. C'est la toute première que j'ai pu écrire et composer toute seule comme une grande. Bien sûr, j'ai toujours aimé le chant, la musique, ça va de soi. Après, j'ai baigné dans l'église et tout, gospel, l'ambiance gospel oblige, donc voilà. J'ai toujours aimé le chant, pas trop eu le choix. J'ai débuté à 5 ans, 5 ans et demi, et plus professionnellement, j'ai débuté à 17 ans. Alors moi, personnellement, ce qui me permet de rester moi-même, c'est mes objectifs. J'aime bien rester focus sur à quoi j'aspire. Ça me motive à me tenir bien. Ça me motive à rester constante dans mes choix et à bosser dur. Le message que j'ai voulu transmettre dans la chanson Ta Gamme, c'est rester soi-même. Faut vraiment apprendre à se connaître. Et une fois qu'on se connaît, on devient un leader. Un leader, un exemple pour les autres parce qu'on est constant. Être constant pour une personne, ça donne envie qu'on la suive. Voilà, donc c'est vraiment ça. Soyez des leaders, soyez fiers de vous, parce que vous valez de l'or, mes chéris. Le conseil que je donnerais aux filles pour qu'elles restent dans leur âme, c'est déjà apprenez à vous connaître. Et avant que vous appreniez à vous connaître, si vous ne vous connaissez pas, moi, je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes des femmes. C'est déjà une chance inouïe d'être une femme. C'est magnifique d'être une femme. Donc vous valez de l'or. Et si vous prenez conscience que vous valez de l'or, vous pourrez déplacer des montagnes. Et comme ça, vous saurez que sa gamme, c'est la meilleure. Parce que c'est l'authenticité. Voilà.